à Londres au quai des suppliciés, à la lueur d'un matin gris, se balance sous un ciel plombé la silhouette de George Murray. Gibert Chavana, un grand jeune homme est pendu. Il porte culottes et bas, tout de rouge et noir vêtu. Sur son merveilleux habit rouge est épinglé la mandragore. Non, ce n'est pas Rackham le Rouge, ses doigts portent des galons d'or. Cet homme a commis tous les crimes, tranché les têtes, crevé les yeux. Son visage d'essence divine cache la laideur de ses lieux. L'enfer l'a sous sa protection, chaîne d'or, ses mains rigides, des yeux comme des bouches de canon, des bras et des jambes livides. Vive le pavillon de mort, sous l'aile de Jolly Roger. De vaincre nous nous faisons fort, et peu importe la manière. Lorsque le navire est coulé, longtemps vive la lumière d'une lanterne abandonnée sur un navire mouillé à terre. C'est lui, vous l'avez deviné, l'homme dont je parle aujourd'hui, le maître de ma destinée. C'est le pirate George Murray.